appris qu'on est une association et qu'on a développé depuis 15 ans, on a fait des études et des recherches et on a publié sur différents sujets et notamment sur le boulier, hein, c'est ce qui nous intéresse, le boulier et le calcul mental. Donc, vous irez, mais bon, tout le monde n'a peut-être pas reçu son boulier, mais vous allez le recevoir, hein, tout est parti. Quand vous recevrez le boulier, il y a un document qui présente un peu l'association, et notamment vous irez sur le site e-numérisme.fr ou e-numérisme.fr, c'est la même chose, et vous pourrez utiliser le boulier virtuel. Hein. Donc, il faut rentrer vos coordonnées, comme toujours, hein, identifiant plus mot de passe. Vous rentrez ça une fois, vous n'oubliez pas le mot de passe, et vous passez sur la partie droite de l'écran, et vous aurez le boulier virtuel en direct. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas besoin de boulier, ni l'instrument, ni le virtuel. Donc, voilà, vous pourrez l'utiliser, c'est intéressant pour notamment afficher les nombres dans un premier temps. Voilà. Bon, les causes du déclin en mathématiques à l'école, hein, ben, malheureusement, vous le savez un petit peu par les médias. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que la France a pris des mauvaises options il y a 30 ans, 40 ans en maths. Et l'enseignement des mathématiques a été perturbé depuis ces années-là. Ce qui veut dire que les enseignants actuels, eh bien, quelquefois, et souvent, je dirais, parce que beaucoup d'enseignants viennent de formations littéraires, histoire géo, psycho, langue, etc. Et très peu viennent du monde scientifique ou de mathématiques. Et donc, très souvent, les enseignants, les professeurs des écoles actuelles, ayant été mal formés, sont quelquefois pas à l'aise en maths. Hein, voilà. Donc, nous, on est là aussi pour les seconder un peu, pour les former et pour aider les familles. Pour que les familles puissent suivre leurs enfants pendant toute la scolarité du primaire et du collège. Hein. Donc, on est en mesure de vous former aussi pour suivre les enfants au collège. Bon, les enquêtes, hein, les enquêtes sont un peu catastrophiques et on va passer très rapidement sur le sujet. Donc, est-ce que vous m'entendez bien là? Ben, je vais toujours interroger Cécilie. Est-ce que vous m'entendez bien? Cécilia? Moi, je vous entends bien. Par contre, le PowerPoint est resté sur la même, enfin, sur la même image pour l'instant, mais sur la présentation, on est d'accord? Alors, là, vous n'êtes pas sur le. Alors, peut-être. Ah oui. Alors, écoutez, je vais peut-être procéder comme ça. Diaporama à partir du début, à partir de. D'accord. Alors il faut que je clique à chaque fois parce que j'ai deux écrans. J'ai deux écrans. Ouais, ça c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Alors je vais peut-être. Masquer la diaporama personnalisé. Est-ce que ça a changé? Alors, non. non, ça n'a toujours pas changé. Alors, on va peut-être. Donc, je vais faire comme ça, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, là, ça change. Ok. Voilà, donc. Au départ, ce que l'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives ou les neurosciences, quand on a commencé de travailler dans les années 2000, ça n'était pas développé du tout.
Donc, on a travaillé sur, à partir des écrits des auteurs que l'on appelle constructivistes, que si vous n'avez pas fait de formation particulière, vous ne les connaissez pas. Et, bon, Piaget, vous avez entendu parler de Piaget, mais Vygotsky, ça ne doit rien vous dire. Et tout le travail que l'on a fait au début a été fait en s'appuyant sur les ouvrages de ces deux auteurs. Et ça nous a permis de développer un modèle. Vous savez ce que c'est un modèle, hein? Un modèle pour un vêtement, ben, c'est un dessin que l'on suit, hein? Donc, ça nous a permis de suivre un modèle pédagogique, c'est-à-dire que on a défini pour les apprentissages en maths des étapes obligatoires. Ces étapes sont habituellement suivies à l'école pour les deux premières, et encore de façon assez irrégulière, et elles ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que on reste dans l'abstraction, hein. Vous avez toujours entendu dire que les mathématiques, c'était abstrait. Et donc là, notre objectif, c'est justement de rendre les mathématiques concrètes, et vous allez comprendre pourquoi. Donc le modèle, Piaget utilise des termes un peu compliqués. Nous, on va utiliser les termes de transition et généralisation. C'est-à-dire que, alors je vais peut-être vous montrer l'échelle pour que vous compreniez bien. Pour que vous compreniez bien, voilà, là il y a une échelle. Donc l'objectif, c'est de construire toutes les notions mathématiques comme sur une échelle. C'est-à-dire qu'on va partir de notions spontanées. On va partir de notions spontanées et je vais vous dire lesquelles. Et à partir de ces notions spontanées, là j'ai un microphone qui est ouvert. Donc, oui. Là, moi j'ai pas changé de page, vous parliez d'échelle là, mais moi j'ai pas vu de. Ah oui, d'accord. Voilà, alors je vais changer, mais c'est vrai. J'oublie, alors voilà. Alors, voilà l'échelle. Donc, on s'appuie sur des notions spontanées, hein, je vais vous en parler, ces notions spontanées. Je vais peut-être même vous les donner maintenant. Il y a cinq notions spontanées. Vous avez reçu le support de cours. Alors, si vous avez une minute, je sais bien que c'est un peu compliqué, hein, vous avez vos occupations. Le livret 1, là on parle du livret 1, ça serait bien d'y jeter un œil, notamment pour les nombres dont on va parler tout à l'heure. Mais dans ce livret 1, on parle aussi des cinq notions spontanées. Alors qu'est-ce que c'est des notions spontanées? Les notions spontanées sont des notions que l'on n'a pas besoin de démontrer parce que c'est évident. Pourquoi c'est évident? C'est parce que tous les cerveaux ont ces notions de façon innée. On définit, par exemple, la première des notions, ça c'est Euclide, hein, qui en a parlé, hein. Euclide, c'est 500 ans avant Jésus-Christ, hein, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein. Donc, la première notion innée, c'est l'égalité. Est-ce que on vous a démontré scientifiquement l'égalité à l'école? Non. On considère que voilà, c'est un implicite, on n'explique pas ce que c'est l'égalité. Et effectivement, on n'a pas besoin de l'expliquer parce que c'est inné. Hein. Un enfant, il va tout de suite comprendre, quand il y a deux chocolats dans chaque assiette, il va tout de suite comprendre ce que c'est l'égalité. Hein, d'accord? Donc la première notion, c'est l'égalité. La deuxième notion innée, c'est le partage. Le partage, depuis des millions d'années, autour du feu,
le feu a été plutôt, c'est plutôt vers 1 million d'années, hein, la découverte du feu. Donc autour du foyer, eh bien, les clans, les familles se réunissaient comme autour d'une table. Hein. Et quand les adultes partaient chercher des livres ou des victuailles, eh bien, on se retrouvait autour du feu pour partager, mais quelquefois de façon qui n'était pas équitable, hein, parce que les adultes en prenaient plus, les enfants moins, etc. Donc l'égalité qui n'est, pardon, le partage qui n'est pas un partage égal ou un partage équitable, ce sont des notions que l'on connaît depuis perpète. Hein. Les enfants, à partir de 3 ans, vous leur dites de répartir les chocolats, hein, ils vont en prendre 4 pour eux, et puis ils en laisseront un pour la maman ou le grand frère. Hein. D'accord? Ça, c'est du partage non égal, non équitable. Le partage équitable, eh bien, c'est le fait que les adultes en prennent un peu plus parce qu'ils ont plus d'activités, voilà, que les enfants. Donc ce partage, c'est une notion innée, hein, qui existe dans tous les cerveaux. La troisième notion, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour toute l'étude sur le moulier, la troisième notion, c'est les quantités 1, 2 et 3. Et je vous montrerai tout à l'heure au tableau, où on le verra dans l'écran suit un autre écran. Pour l'instant, je vous liste les 5 notions innées. Donc, tous les cerveaux ont la représentation mentale des quantités 1, 2 et 3, mais c'est limité à 3. Au-delà, ce ne sont pas des représentations innées. Donc, les quantités 1, 2 et 3 sont connues et reconnues par les bébés de quelques semaines. On l'a prouvé, hein, à partir d'1 ou 2 mois, on peut le mesurer avec des caméras. Je vous décris, des dizaines d'expériences ont été faites. Des bébés de 1 mois, on suit leur regard avec une caméra et leur réaction, qui est mesurée donc par l'attention que l'on voit dans leurs yeux. Eh bien, là, j'entends quelqu'un. Ah oui, c'est chez Malika. Oui, on est toujours sur... Moi, je suis toujours sur la progression sur l'échelle. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Je décris les 5 notions innées, hein, et après, on verra la progression sur les barreaux de l'échelle. Mais on s'appuie sur ces 5 notions innées, dont les 3 premières, la troisième, c'est les quantités 1, 2, 3, on va voir ça. Ensuite, la quatrième notion, c'est les tableaux. Hein. Pourquoi les tableaux? Ben parce que depuis 1 million d'années, les familles ont l'habitude de se regrouper, soit, hein, à l'époque, ce n'était pas des tables, mais autour du feu. Donc, chacun à sa place. Et la notion de tableau, elle est très ancienne. C'est quelque chose que les enfants ont eux aussi. Alors, bon, j'étais parti à vous décrire l'expérience, hein, je peux quand même le faire. Donc, on met 3 poupées derrière un écran. 2 poupées derrière un écran. Hein, et un enfant de 2 mois regarde la scène. On fait rentrer une troisième poupée derrière l'écran. Deux situations. Quand on va lever l'écran, s'il y a 3 poupées, eh bien, le bébé regarde la scène et son regard passe très vite à autre chose. Il y avait 2 poupées, on en a fait rentrer une troisième, pour lui, tout va bien, tout est normal. Par contre, si on triche, on fait rentrer une troisième poupée derrière l'écran, on lève l'écran, et il n'y a toujours que 2 poupées. Et là, toutes les expériences qui ont été faites avec des bébés d'1 ou 2 mois, on constate toutes la même chose. C'est que le bébé
scrute attentivement la scène, il ne comprend pas. Son regard est fixé sur la scène pendant une ou deux minutes. Donc, on comprend qu'il ne comprend pas. Et donc, c'est la preuve, et on jongle avec les différentes quantités, hein, une poupée, deux poupées, trois poupées, mais pas au-delà, ou on essaye avec quatre poupées, mais là, on voit que l'enfant a beaucoup de mal donc, à identifier trois ou quatre poupées. Voilà, donc on sait que les bébés de quelques mois ont la représentation des quantités jusqu'à 3 de façon innée. Hein, et donc, bien sûr, les adultes hein, et les enfants. Donc, je vous ai dit la quatrième notion. Alors, ça, vous le découvrirez dans votre support de cours, hein, si vous voulez le lire, dans le livret A. La cinquième notion, c'est les cinq doigts de la main. Hein, parce que la main, est là depuis 7 millions d'années, hein, depuis les premiers hominines, les premiers hominidés, chacun a sa main de 5 doigts devant les yeux, et cette image, elle est enregistrée dans tous les cerveaux, bien sûr. Voilà, donc, tout le développement que l'on va faire de l'échelle est basé sur ces 5 notions spontanées. Donc, je vais revenir en arrière, j'espère qu'il va me le faire. Voilà, il va me le faire, voilà. Donc, si vous voulez, on est revenu à l'écran, et alors, le mien, c'est pas le même, là, voilà, donc, le mien, c'est pas le même. On est revenu à l'écran des constructivistes. Hein. Alors, très rapidement, ce qu'on appelle la transition, eh bien, c'est une démonstration. Hein. C'est une démonstration, donc toutes les notions qu'on va introduire, on va à chaque fois les démontrer. On appelle ça la transition, c'est un terme, on va dire, de psychologie. Et la deuxième étape, hein, donc chaque notion est construite en trois étapes. La démonstration, qui est habituellement faite à l'école, mais pas très souvent pour les notions de base, la transition ou démonstration, et ensuite la généralisation. La généralisation, ben, c'est ce qu'on vous a appelé à l'école, les formules, les définitions, etc. Donc ce sont des généralisations. Alors la troisième étape qui a été présentée par Vygotsky, c'est quelque chose qui n'est pas fait à l'école, et en tout cas jamais de façon systématique, c'est ce qu'on appelle la représentation. En fait, la représentation mentale, vous comprenez ce que c'est la représentation mentale, hein, c'est l'image que l'on se fait de quelque chose. Eh bien, Vygotsky a montré que cette représentation mentale, en fait, elle est, c'est l'intersection entre deux représentations. Une qui est une image technique que les enfants ont développée particulièrement parce que ils n'ont pas l'autre représentation, et l'autre représentation c'est le langage, l'écriture, la lecture, et l'image c'est en fait la représentation mentale ou la pensée verbale, hein, la pensée c'est la représentation, l'intersection entre une image technique qui est développée chez les enfants surtout, et nous, notre langage, notre écriture qu'on développe à partir de l'école. Donc, si vous voulez, imaginez que vous êtes en train de nager sur une plage ou que vous êtes en train de bronzer, eh bien, vous allez voir la plage ou les enfants qui jouent ou qui bronzent au soleil, mais vous allez aussi décrire la situation, hein, par une phrase. Hein, on bronze sur la plage, par exemple. Hein, quand vous pensez plage, vous avez l'image, mais vous, adultes, vous pensez aussi avec des mots. Hein, les enfants jouent
Bien sûr, vous voyez l'image, mais vous pensez, les enfants courent sur le sable, hein, par exemple. Donc, une représentation mentale, c'est à la fois du texte et de l'image. Et ça, c'est très important, parce que on va toujours présenter une situation, hein, une situation mathématique ou une, comment on dit, une notion mathématique, on va toujours la présenter sous la forme d'un texte et d'une image. Et l'image, elle est complètement zappée à l'école. Hein. Et c'est toute la base du boulier. Le boulier, c'est un instrument qui va fixer les images définitivement. Et c'est ça qui est très important. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Demande d'annotation. C'est quoi ça? C'est quoi? Demande de noter le contenu partagé. Tac. Alors. Donc, on passe à l'écran. Alors, je ne vais pas insister, hein, ça c'est plutôt pour les formateurs, mais notez qu'il est très important d'avoir des apprentissages stables. Hein, et vous allez comprendre pourquoi. Donc ça aussi, ça a été démontré il y a très peu de temps, en 2013, hein, donc c'est pas très vieux, hein, par un neuroscientifique qui s'appelle Jean-Claude Amezen, Johann Fahrenfort. C'est l'idée suivante. Quand le cerveau, et ça il a fallu le démontrer, quand le cerveau a deux images concurrentes, hein, quand le cerveau a deux images concurrentes, eh bien, il a tendance à retenir ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire qu'il faut absolument présenter pour une notion une image première. Et ensuite, autour de cette image technique première, eh bien, on va greffer d'autres images. Et c'est pour ça que le boulier, il doit intervenir en image première. Pour les enfants de 6 ans, hein, par exemple, comme Léo, hein, c'est particulièrement important d'avoir une image première. Et ensuite, il greffera toutes les autres images. Par exemple, là, actuellement, vous avez l'écran pour vous, adultes. Est-ce que ces 5 images ont la même valeur? Pour vous, adultes, hein, je peux interroger Nathalie, elle n'est pas là, je crois, mais Malika, hein, qui manipule. Est-ce que, pour vous, Malika, ces 5 images ont la même valeur? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout sur le thème des chevaux, quoi. Voilà, on peut dire que ça présente un centre équestre. D'accord? Hein? Voilà. Par contre, l'enfant, lui, est-ce que vous allez lui présenter ces 5 images? Ouais, ça fait beaucoup de bruit, Malika. Allez, vous ouvrez votre microphone. Donc, pas trop de papier. Est-ce qu'un enfant, ces 5 images ont la même valeur pour un enfant, pour Amaury, par exemple? Est-ce que ça a la même valeur? Hein? S'il ne connaît pas les chevaux, eh bien, le fer à cheval, ça ne lui parle peut-être pas. Les bottes, ben, il voit que c'est des bottes, mais il ne voit pas forcément que c'est des bottes d'équitation. Bon, le casque, ça peut être un casque d'un autre sport. Hein. Donc, pour les enfants, il y a une image qui est celle du cheval, la tête, la crinière, la queue, les quatre pieds, le corps, etc. Et ça, c'est l'image première. Et au fur et à mesure où l'enfant grandit, eh bien, il va mettre d'autres images, associer d'autres images au cheval, le fer à cheval, les bottes, la tête de cheval et le casque. S'il a fait du poney, il va reconnaître tout de suite le casque. Hein. D'accord? Donc, ces 5 images n'ont pas la même valeur et ça va être le cas pour le nombre. Alors, aujourd'hui,
Vous apprenez à l'école la lecture et l'écriture, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais en araméen, hein, qui est une langue sémite, hein, comme l'arabe ou l'hébreu, hein, eh bien, on reproduit la tête de taureau, et cette tête de taureau, progressivement, donc au début c'était un hiéroglyphe ou un dessin qui ressemble à une tête de taureau, et progressivement, cette tête de taureau, elle a donné la lettre A, qu'on utilise aujourd'hui, mais sans savoir que à l'origine, c'était le dessin d'une tête de taureau. Hein. Donc aujourd'hui, la lettre A a une valeur complètement abstraite, et c'est plus un symbole, hein, c'est une lettre abstraite avec laquelle on construit la lecture-écriture. Donc la lecture-écriture est... la lecture ou l'écriture est construite à partir des 26 lettres de l'alphabet de façon complètement abstraite. Bon, ça vous le savez pour la lecture-écriture. Et aujourd'hui, malheureusement, les nombres, la numération et le calcul sont construites de façon complètement abstraite à partir des 10 chiffres que vous connaissez, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qu'on appelle les chiffres arabo-indiens, eh bien, ces 10 chiffres sont des symboles qui n'ont rien à voir avec la quantité représentée. Hein, si vous voyez ma souris, hein, vous devez voir ma souris, si je représente le 7, par exemple, vous voyez que c'est très proche des symboles brahmis, hein, et peut-être des symboles arabes, hein, que je ne connais pas. Donc si vous représentez le 6 par exemple, eh bien ça ressemble au symbole brahmis, mais ça ne dit rien sur la quantité 6. Hein. C'est un symbole abstrait. Sauf pour les trois premiers. Et les trois premiers, eh bien, quand vous écrivez les chiffres chinois, hein, c'est la même chose, les chiffres chinois ou brahmis, vous voyez 1, 2 et 3, si vous les écrivez rapidement, ces chiffres, vous voyez que vous obtenez les chiffres 1, 2 et 3 en écriture, enfin, les chiffres arabo-indiens. Donc, ces trois premiers chiffres, et ce n'est pas un hasard, viennent des premiers symboles brahmis ou chinois qui sont encore utilisés. Hein. En Chine, c'est encore utilisé, les symboles horizontaux 1, 2, 3. Alors, ce qui se passe donc pour la numération et le calcul, c'est qu'aujourd'hui, tout est construit de façon abstraite, comme la lecture-écriture. Et notre innovation, c'est que nous, à partir du boulier, eh bien, on va construire la numération à partir des quantités qui sont innées, des quantités qui sont reconnues et qui sont reconnues par tous les cerveaux, et ça, on va le montrer. Donc, et c'est ça qui va nous permettre de construire l'échelle, on l'a vu tout à l'heure. L'image technique, donc ça, on a vu. Et donc là, on va voir notre histoire de boulier. Alors, c'est un petit peu... bon, ce sont les hypothèses de travail, mais il faut bien que je vous les présente à vos parents, hein, avant d'attaquer le boulier. Bon, il faut bien que vous sachiez que derrière tout ça, eh bien, il y a une découverte empirique au XIIIe siècle par les Chinois, mais sur la base d'instruments qui existaient déjà. Hein. On va voir que les doigts... soit dans le système décimal, soit dans le système sexagésimal, sont utilisés depuis très longtemps. Alors, ce tableau, bon, vous devez le retrouver, vous le retrouverez de toute façon, vous avez le PowerPoint, hein, vous avez le diaporama, donc vous pourrez retrouver ce tableau. Eh bien, on montre que pour le cheval, et, on a... C'est une abstraction, mais on a une c'est une abstraction empirique parce que on peut croiser des chevaux dans la rue,
hein, au centre équestre, et l'image que les enfants se font du cheval, eh bien, est basée sur une image qu'ils ont réellement vue, soit dans les livres, soit au centre équestre. Hein. Par contre, si je vous dis la philosophie, est-ce que vous croisez tous les jours des philosophies dans la rue? Ben non, hein, la philosophie, c'est une notion abstraite que l'on doit construire. Et ça ne s'appuie pas sur une image concrète. Hein. Vous ne pouvez pas avoir une image de la philosophie, il faut le construire par du texte. Hein. Et c'est là que Vygotsky a innové un petit peu. La philosophie, ça sera essentiellement du texte, très peu d'images. Hein. Donc c'est compliqué d'expliquer la philosophie à un enfant, puisque vous ne pouvez pas lui montrer des images. Pareil pour, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis après, oui, le zéro, bon, la philosophie, il y a d'autres exemples, mais on va en rester là. Alors, les quantités 1, 2 et 3 sont des quantités spontanées ou innées. Et on va donc s'appuyer sur ces quantités. Vous voyez que les chiffres romains verticaux ressemblent au symbole Brahmi qui, eux, étaient horizontaux. Mais à partir de là, on va construire tous les autres nombres. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a besoin des trois premiers, mais de toute façon, on les a dans tous les cerveaux reconnaissent les quantités 1, 2, 3. Donc à partir de ces quantités-là, eh bien, on va construire tous les autres nombres. La découverte sur laquelle on se base, en anglais on appelle ça subitizing, en français on dit subitisation. Subitisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les quantités 1, 2 et 3, vous voyez sur l'échelle de gauche, c'est le temps en millisecondes, vous voyez que pour percevoir les quantités 1, 2, 3, eh bien, c'est quasiment immédiat, pas tout à fait, hein, c'est le délai de l'œil au cerveau, hein, c'est 400 millisecondes environ. Mais vous voyez que pour 4, ça augmente très vite le temps de perception. Hein. On va percevoir tout à l'heure les quantités jusqu'à 3 et puis au-delà. Eh bien, vous voyez que ça monte très vite à partir de 4, de 5 et de 6, et bien sûr au-delà, parce que on ne perçoit pas immédiatement les quantités au-delà de 3. On perçoit immédiatement les quantités jusqu'à 3, mais pas au-delà. Donc, et vous voyez que le taux d'erreur augmente aussi, ça c'est le taux d'erreur. Le taux d'erreur augmente très vite. Alors, 1, 2 et 3, regardez, ça c'est le nombre 8 qui est construit avec les chiffres romains, eh bien, ces quantités jusqu'à 3, fermez les yeux. Est-ce que vous voyez la quantité, les trois barres du 8 hein? Normalement, vous devez les voir. Hein? Je sais que vous fermez les yeux, vous voyez ces quantités. Hein? On les remettra au tableau tout à l'heure rapidement pour le travail avec les mains. Donc, par contre, le nombre de barres ici, vous ne pouvez pas le connaître immédiatement. Vous êtes obligé de compter. C'est ça qui prend du temps. Donc, jusqu'à 3, vous reconnaissez immédiatement. Et au-delà, vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas vous représenter le nombre de barres. C'est combien je compte? 2, 4, 6, 7. Hein, les 7 barres du dessous, vous ne pouvez pas vous les représenter. Pareil ici, on est obligé de compter, on ne peut pas se représenter. Donc, vous voyez, le travail avec des jetons ou des bouliers, quelqu'un m'a interrogé pour un boulier 10 perles. Hein. Les bouliers de 10 perles, c'est un instrument pour manipuler, mais ça n'apporte rien pour la numération. Hein. Donc, là, vous voyez que les doigts, hein, je vais vous le montrer, bon, le nombre 1, eh ben, tout le monde le reconnaît immédiatement, hein, bien sûr. Là, vous voyez, 2, 4, 6, 7 étoiles, on ne reconnaît pas immédiatement. Hein. Les arcades du pont du Gard, eh ben, vous êtes obligé de les compter, on ne les reconnaît pas. Alors que
un arc de triomphe où il y a trois arcanes, on le voit tout de suite. Il n'y a pas besoin de compter. Hein. Voilà. Donc, le boulier est basé là-dessus. Là, il y a des nombres, et vous aurez les bouliers virtuels, ils ne ressemblent pas à ça, mais un petit peu, quoi. Vous voyez que vous reconnaissez immédiatement les quantités jusqu'à 3. Hein, vous voyez là où est ma souris, eh bien, vous reconnaissez les quantités jusqu'à 3. 1, vous reconnaissez, 1, vous reconnaissez, bien sûr. 4, vous le reconnaissez par habitude. On va voir ça avec les doigts. En fait, 4, on ne peut pas le reconnaître. Si vous fermez les yeux, normalement, vous ne pouvez pas vous représenter les 4 perles de 4. Alors peut-être, en trichant un peu, vous allez représenter 2 plus 2 ou 3 plus 1, mais normalement 4 sort du champ de la reconnaissance immédiate. Par contre, 4 au boulier, vous allez reconnaître la perle qui n'est pas activée. Donc, comme on va le voir avec les mains, vous allez reconnaître que c'est le nombre affiché, c'est 4. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, là après c'est des représentations, donc on va voir avec les mains, et puis je vous montrerai au tableau, voilà, bon, on va arrêter le partage, voilà, voilà, donc là, normalement, vous devez voir l'écran, c'est ça? Vous voyez l'écran? Le tableau? Chiffres arabo-indiens que vous voyez, les chiffres romains que vous voyez au tableau, eh bien, vous avez fait déjà la relation avec les mains. Hein, les mains et les doigts, hein, on va expliquer comment. Mais ce n'est pas la seule représentation. En Mésopotamie, et vous retrouverez ça dans le livret 1, je pense, alors regardez-le, hein. En Mésopotamie, on utilisait un autre système. Vous avez entendu parler du système sexagésimal. Hein. Le système sexagésimal, il est basé sur la chose suivante. Hein, et puis, il y en a certains qui vont connaître. Sur le fait que on ne compte pas les doigts. Les Mésopotamiens, il y a 5000 ans, hein, c'est très vieux hein, ce système, et il était très efficace, et on l'a gardé pour l'heure, hein, on verra plus tard, on a gardé ce système pour mesurer l'heure et les angles. Eh bien, le système mésopotamien était basé sur les phalanges. Hein, vous voyez, moi, je vais essayer de le faire... faut que j'enlace la caméra. Donc, 1, 2... 3, hein, vous voyez, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et de l'autre côté, vous avez les 5 doigts. C'est-à-dire que avec une main, vous représentez les nombres jusqu'à 12, et avec l'autre main, vous pouvez compter les douzaines. Alors, inutile de faire le rapprochement, hein, vous l'avez déjà fait, la douzaine d'œufs, la douzaine d'huîtres, eh bien, tout ça, ça vient du système de numération mésopotamien qui utilisait les phalanges. Et donc, on le sait parfaitement parce que ceux qui ont une culture musulmane, par exemple, eh bien, les anciens, les vieux, mais pas seulement, hein, je crois, eh bien, comptent leurs prières avec les phalanges. Mais on trouve ça dans d'autres civilisations. En Chine, ils comptent un peu différemment, mais c'est la même chose, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en Brahmi aussi, donc il y a quelques milliers d'années, le système de numération était un système sexagésimal, je vous ai dit, on a gardé ça pour l'heure, les minutes et les secondes, mais le boulier, il n'est pas basé sur ce système-là, il est basé sur les mains. Or, les mains, eh bien, comment on représente les nombres, hein, je vais peut-être le faire comme ça. Est-ce que, oui, vous devez voir comme il faut. Eh bien, 1, hein, vous faites le lien avec les chiffres romains. 1, 2. Quand je
représente deux. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez deux choses, trois choses. Vous voyez deux. D'accord? Le nombre affiché. Mais vous voyez aussi les trois doigts qui sont repliés. Ça, ça s'appelle le complément à 5. On peut, pour utiliser des termes, on peut parler de les copains de 5. Hein. 2, un comme copain, 3. Hein. C'est le complément. Si complément, pour les enfants, c'est un peu rebutant, hein. On peut parler de petits copains. Hein, copains. Les copains, le copain de 2 dans les copains de 5, c'est 3. D'accord? Donc, c'est la deuxième chose que je vois dans cette représentation. La troisième chose que je vois, c'est les copains de 10. Le copain de 10 pour 2, le complément à 10 de 2, eh bien, c'est le point fermé, c'est 5 doigts repliés. Plus les 3 doigts ici, c'est 8. C'est-à-dire que il est fondamental d'apprendre aux enfants, hein, comme Léo, la représentation, bien sûr, des doigts levés, mais aussi des doigts repliés. Hein, parce que ça donne deux autres informations. Le complément de 2 à 5, c'est 3. Le complément de 2 à 10, c'est 5 et 3, 8. Donc ça, ça fait partie de l'apprentissage avant le boulier, mais on va retrouver bien sûr la même chose au boulier. Et donc, pour 3, hein, vous voyez que j'affiche 3, d'accord, mais j'affiche aussi le complément de à 5 de 3, qui est 2, hein, ou le petit copain de 3 dans les compléments, dans les copains de 5, et bien c'est 2. Et là, pour 10, j'affiche le complément de 3 à 10, c'est un point fermé, plus 2 doigts, c'est donc 7. Il faut pas seulement utiliser une main, hein, une main ça donne le complément à 5, mais il faut utiliser les deux mains, d'accord? Et on continue comme ça, vous voyez que pour 4, normalement, les enfants, si vous leur affichez 4, ils ont tendance à compter 1, 2, 3, 4. Parce que ça ne fait pas partie des images que l'on met dans le cerveau. Pour 4, on voit d'abord le doigt replié. Et on sait que les doigts repliés sont les compléments, hein, c'est le copain qu'on voit. Hein. On voit le copain, donc le copain c'est 1, donc le nombre affiché c'est 4. Hein. 1, c'est 4. Il n'y a pas besoin de compter. On voit un doigt replié, c'est 4. Et pour 10, on voit un doigt replié et le complément, non, pour 10, on voit 6, hein, le point, 5 et 1, 6. Et le 6, le complément à 10, c'est 6, donc le nombre, c'est 4. Hein, on le voit à partir de 5. Donc, vous voyez que cette représentation, elle est importante. 5, qu'est-ce que c'est 5? 5, c'est pas de doigts repliés. Le complément à 5, c'est 5. Hein, il n'y a pas de copain de 5. Et on sait que s'il n'y a pas de copain de 5, c'est que c'est le nombre. C'est 5. Et au boulier, on va faire une opération que les Romains ont déjà fait. C'est-à-dire, c'est l'échange. J'échange 5 doigts de ma main droite contre une main de ma, qui est ma main gauche. Donc mes 5 doigts disparaissent et je les échange contre une main. Et, excusez-moi, et vous voyez que cette main, elle a un angle ici et vous reconnaissez le V romain. Le V romain, c'est ça. C'est la main présentée comme ça. D'accord? Donc cette main vaut 5. Et de l'autre côté, j'ai à nouveau ma main disponible pour les représentations suivantes. Ça, c'est 1 affiché avec une main, c'est 6.
avec une main, c'est 7. 3 affichés avec une main, c'est 8. Hein, etc. Là, un doigt replié, hein, comme ici, hein, c'était un doigt replié, le complément, un doigt replié, le complément à 10, les amis, lorsque le petit copain, dans les copains de 10, lorsque le petit copain est 1, eh bien, c'est que le nombre est 9. D'accord ? Une main et 4 doigts. On ne compte pas une main. Si, on le voit que c'est une main. Hein. On ne voit pas les doigts. Hein. On voit une main. Hein. Eh bien, le complément de 1 à 10, c'est 9. Et c'est ce que représente le chiffre romain. Et 10, eh bien, le chiffre romain 10, c'est deux mains dont les pouces se croisent. D'accord ? Deux mains, et c'est ce que représente le chiffre 10. Donc, vous voyez que ça, ça vient des chiffres romains. Hein ? Et les Chinois se sont appuyés sur, bien sûr, cette représentation avec les chiffres romains et l'abaque romain. L'abaque romain, c'était un instrument dans lequel, en bois, ou dans lequel il y avait des glissières, et bien sûr, le boulier chinois est beaucoup plus performant. Donc, on utilise, alors, vous avez tous des bouliers, normalement des bouliers 7 colonnes, hein, qui sont comme ça, hein. Voilà. Alors d'abord, est-ce que les enfants, vous avez compris cette histoire des mains, des représentations avec les doigts? C'est presque comme à l'école, comme on vous l'a montré à l'école, mais ce qui est nouveau, c'est que je vous demande de vous représenter les compléments, les petits copains. D'accord? Et c'est très important pour le boulier. Le boulier, donc prenons celui-là, vous voyez que c'est un boulier 13 colonnes, et la colonne jaune, c'est la colonne de quoi? La colonne jaune. Hein, quelqu'un, si quelqu'un veut prendre la parole. La colonne jaune, c'est la colonne de quoi? C'est la colonne des unités. Très bien, qui c'est qui a répondu? Qui c'est qui a répondu? Amaury. Ah, c'est Amaury. Super, Amaury. Donc, tu as déjà travaillé un peu, alors, hein? Hein? Oui. Tu as déjà travaillé. Et vous avez reçu les bouliers, alors? Oui. Ah, super. Donc, la colonne jaune, c'est la colonne des unités. Est-ce que vous reconnaissez? Alors, je vais peut-être le faire là, hein. Je vais le faire ici, hein, bien sûr. Vous voyez le boulier, hein. Donc ici, ça s'appelle des perles au boulier. Hein. On ne dit pas boule, hein, on dit perles, c'est plus joli quand même. Hein. Donc, vous avez combien de perles là? Hein, Maury, tu peux continuer, puisque... Il y a combien de perles? Là, il y en a 5. Voilà. Comme... Une main. Comme les 5 doigts. On peut dire perle ou doigt. C'est la même chose. Quand j'affiche 3, on peut parler de 3 doigts. D'accord? Oui. Ou 3 perles. C'est comme on veut. Hein. Trois doigts, c'est pour, parce que c'est la même chose que ça. Vous voyez que pour 4 doigts, ce que l'œil voit, ça c'est important. L'œil doit percevoir la perle qui n'est pas activée. Hein. Vous savez qu'on dit activer. Et on représente les nombres en activant les perles, c'est-à-dire en les rapprochant de cette barre centrale. Hein. Vous voyez que la perle qui n'est pas activée, elle nous dit que, eh bien, c'est le petit copain de 1, le petit copain à 5 de 1. Hein, c'est donc 4. Il ne faut pas compter. Et quand
quand vous affichez 4, il ne faut pas faire du tout comme ça. Ça, c'est interdit. Hein. Quand on affiche 4, on voit, on laisse une perle et on active directement. Hein. D'accord ? Ensuite, pour 5, pareil, hein, si, donc 5 activés, qu'est-ce qu'on fait ? On est là. Hein, vous êtes d'accord ? Donc il faudrait que je vous quitte assez rapidement. Là. Donc on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on échange 5 doigts contre une main, comme tout à l'heure. Comment ? Oui ? Non, mais là, vous voyez le. Moi, peu importe, mais est-ce que vous voyez le. L'opération, alors. Est-ce que vous voyez au tableau, là ? Oui ? Non, j'ai quand même pu les oublier. Il ne faut pas les unités. Ah ! Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Alors. Ah ouais, c'est ça, hein, tout le monde voit bien. Hein. Y avait un problème chez d'autres ou... Alors, donc, 5, vous voyez bien que c'est aucun doigt, pas de petit copain, donc le complément à 5, c'est 5. Et on fait l'échange contre... Amaury, on fait l'échange contre quoi ? Contre... 5. Oui, mais on dit une main ou une quinelle. Alors, apprenez aussi, les perles ici sont des unaires et les perles ici sont des quinelles. Hein. On évite de dire haut et bas parce que, en fait, ici il y a haut et un bas, mais dans les bouliers sur votre table, il n'y a pas de haut ni de bas. Et à l'occasion, je vous expliquerai que ça. C'est très compliqué, cette histoire de haut et de bas, parce que ça fait référence au pupitre qu'on utilisait il y a 50 ans à l'école, hein, où il y avait un haut et un bas. Aujourd'hui, on utilise des tables, il n'y a pas de haut ni de bas, hein, c'est horizontal. D'accord ? Donc, vous avez compris que ça, c'est la même chose. Il y a deux mains ici, et là, il y a 5 doigts. Donc, le boulier, c'est la même chose que les mains. Et donc, c'est ça qui est très fort, c'est que on va représenter tous les nombres avec la vue, avec la limite de 3. Hein, vous voyez, là, c'est pas 4 que je représente, c'est un doigt, c'est une perle non activée, donc c'est 4. Tous les nombres, on va les représenter dans la limite de 3. D'accord ? Voilà. Bon, ben, je vais vous abandonner un petit peu rapidement, là, c'est l'heure. Vous allez recevoir aussi l'enregistrement. Hein, et puis, bon, si vous avez des questions, là, je ne peux pas les prendre parce que l'heure est légèrement passée. Passez un petit mail, hein, s'il y avait une question. Reportez-vous au livret 1 du support de cours. D'accord ? Et puis, pour les ceux qui n'ont pas reçu les bouliers, hein, normalement ça ne devrait pas traîner. Voilà, je vous abandonne. Donc, à bientôt et n'hésitez pas à poser. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur innumérisme.fr et pour tout ce qui concerne les bouliers sur édition-abacus.com.